L'homme du jour n'est autre que Sylvain Chavanel. 33e de l'étape, il a fait partie de la première échappée du jour aux côtés de Thomas Voeckler. Une belle tentative de vibrer à nouveau. Mon objectif, je voulais avoir un coup d'avance. Je me suis fait vraiment mal au début. Et après, j'étais pas très à l'aise dans les descentes parce que c'était vraiment glissant. Et j'ai été le plus loin possible et j'ai buté dans le mont du chat. Mais c'est trop pentu pour des gabarits comme moi. Je fais plus de 70 kilos. Donc forcément, aujourd'hui, tu vois que des mecs entre 60 et 65 kilos. Donc il n'y a pas de secret. Et malgré tout, les pattes, les jambes sont bonnes. Bon, on vient supporter Tonton. Et c'est qui Tonton? C'est Angelo. Allez, tu tues! Allez, tu tues! Est-ce qu'il va gagner aujourd'hui? Non. C'est trop dur. Écoutez ça, ça commence. Là, je suis à la moitié. Il faut que ça brille jusqu'au bout des pneus. Ah ouais. Ça, c'est un truc que j'aime bien. J'aime pas avoir les pneus tout pâles. Bon, bah, c'est une petite touche qui finit les véhicules. Quand je pense qu'on peut le voir, toutes les équipes le font. Donc j'aime bien que ça brille. 21h15, il sort du massage, il a mangé, je crois que c'est rediffusé dans 190 pays du monde, donc il a mangé plus de 2000 médias. Et là, ce soir, 21h15, avant de manger, il a son dernière interview avec Sportza pour Poveo Belge. Voilà le tour, voilà le tour. C'est champion et voilà. Direct énergie, direct énergie, direct, direct, direct énergie, ouais! D'aujourd'hui, c'est à fond d'entrée, s'accrocher le plus longtemps possible et puis péter le plus tard possible en fait. C'est surtout qu'il va y avoir de la pluie, je pense que c'est l'étape la plus dure du tour de cette année. Apparemment, tu perds de l'énergie si tu mets pas de crème. Ça, avec cette chaleur et en plus le nombre d'heures qu'on va passer sur le vélo, puisque l'étape est très longue. Donc il faut protéger la peau et éviter de prendre trop de coups de soleil, quoi. Ça peut affaiblir. On peut être fier. Bah oui. Fier de tout le monde. Hein. Parce que j'ai pensé à Thomas avec la Carnasse, avec Yukiya. Il y a toujours un moment donné, l'équipe a servi à quelque chose. Et quand tu t'es mis dans le jeu à 20 secondes avec Périg, avec la... Mon cigarios qui a bourriné avec Sylvain, qui a été exceptionnel au début. Périg en mode tracteur. Bah, ça roule bien. Après une première semaine de course, demain c'est la première journée de repos, une journée de repos bien méritée pour les coureurs. Pour les coureurs, ça sera un petit peu de vélo et pour le staff Direct Énergie, beaucoup de boulot.